Bon québécois, ça, bois vert, j'ai l'impression. La retraite, c'est pour quand? Mais Rémi, c'est pas moi avec un I, c'est Y. La retraite, quelle retraite? La retraite de quoi? Se retirer? Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu fin avril des personnes qui sont tombées psychologiquement. On ne peut pas les ramasser, je ne sais pas où elles sont parties. Elles vont peut-être revenir, mais on est dans un secteur très spécial, d'avril à juin. Il ne se passe pas grand-chose en France, et on vous le fait savoir. On ne veut pas qu'il se passe grand-chose non plus sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le moment de faire quelque chose dans une société communiste, socialiste. Ce n'est pas le moment d'entreprendre. Tu as des personnes qui ne veulent pas, qui vont te balancer ton compte. T'as dit un mot de travers, t'as filmé quelqu'un qui de loin disait quelque chose qui pouvait s'apparenter à quelque chose qu'il faut pas dire. T'as filmé dehors, mais il y a des trucs qu'on a entendu avec les algos. Il y a un truc qui passe pas bien, je t'ai balancé 15 fois sur YouTube. Faut que tu prennes cher, tu fais de la désinfo. On est vraiment entouré de personnes qui se font du mal et qui veulent vous faire du mal. Il faut bien se protéger. Et bien se protéger, c'est bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. Trop facile, trop simple de dire des crétins. On est avec des personnes qui, des fois, mais le pire, c'est elles ont abandonné. Elles se sont abandonnées. Elles ont laissé une place vide. Il y a du vide entre leurs deux oreilles. Elles se sont dit, j'arrête, j'en peux plus, je suis fatigué. Je me suis pris trop de râteaux. Au départ, tout petit, je voulais trouver une fille ou un mec. Je me suis pris trop de râteaux. Je pense plutôt aux mecs qui se prennent beaucoup de râteaux. Et puis après, bah, j'arrête. Non, bah non, les filles veulent pas de moi. Bah, j'arrête. Et après, bah, j'ai cherché du boulot. On m'a dit souvent oui, puis après non, je me suis pris trop de râteaux. Ce genre de type-là, ce genre de personne. Et puis après, on va vous dire, elles vont vous dire, bah moi j'arrête. Hein. Bah non, j'ai essayé, bah non. Bah non, c'est pas possible. On est entouré donc de personnes qui se suicident et qui veulent vous emmener avec elles dans leur trou. C'est pas simplement égoïste, c'est pire que ça. Il faut pas s'énerver comme ça. Non, mais vous m'avez jamais vu énervé. Et je pense que si vous me voyez énervé, on n'en serait pas avec si peu d'audience. Je peux vous dire que si vous me voyez énervé, ça, c'est autre chose. Vraiment autre chose. Jamais été énervé en direct. Jamais. Donc, le sujet concerne la fin des illusions. Le sujet concerne des personnes qui sont toujours dans cette illusion et qui pourraient peut-être devenir violentes encore après le 19 juin, parce qu'elles vont tomber de très très haut. Il y a encore beaucoup d'espoir. Il y en a qui veulent encore changer un petit peu le résultat du match, celui du 24 avril dernier. Et en fait, il y a encore beaucoup d'illusions. Et il y en a qui vont tomber de haut, hein, et qui vont vous en vouloir. Alors moi, je ne fais pas de débat politique. Je ne vous propose pas un candidat plutôt qu'un autre. Je ne sais même pas si c'est autorisé. Après, ça dépend pour quelle pomme, quelle chaîne. Calmez-vous, ça va bien se passer. Bruno, bonjour, sur Facebook. Toi, tu nous dis, Clément, à chaque élection, il y a de la censure. Marie, tu nous dis sur Facebook, pendant tous ces derniers mois, ces dernières années, j'ai voulu discuter et défendre mon point de vue en écoutant les arguments d'en face. Les réactions sont à chaque fois violentes. Maintenant, je lance, et selon comment ça réagit, je lâche plutôt que de rentrer dans la confrontation. Ça les déstabilise. Mais je n'essaie plus rien. J'ai plus d'énergie à perdre devant l'indigence mentale des gens. S'ils veulent savoir, ils n'ont qu'à chercher. Ils sont déjà au courant. Ils n'ont pas envie forcément d'être d'accord avec toi. Tu me dis, Lanterne, j'ai une grande résistance à cette arythmique, cette pause pré-estivale après laquelle les enfers seront ouverts. Alors, je vous le dis aussi de mon côté, c'est ce que je pense. On est toujours dans l'époque la plus exceptionnelle de tous les temps. Jour après jour, j'ai cette réflexion-là, c'est de plus en plus open bar. De jour après jour, on peut de plus en plus tout faire. Pour ceux qui font. Il n'y a plus de limites. Ah, ils ont pété toutes les limites. Après, il y en a qui sont toujours, évidemment, avec leurs œillères, de plus en plus complètement nassés de la tête. Mais pour ceux qui entreprennent, je vous le dis, hein, parce qu'il y en a qui s'en mettent jusque-là, qui se disent « c'est bon, on va continuer de leur faire leur poche. À un moment donné, tu ne me fais pas les miennes. En tout cas, on discute, on communique, mais tu viens pas comme ça, avec un manque d'élégance, venir mettre tes pattes là où je suis, quoi. »
C'est quoi cette idée sans arrêt d'être vulgaire, méprisant? Ça, j'aime pas.